Salut tout le monde, c'est Marlon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture de boosters comme la semaine dernière, avec encore cette fois-ci des nouveaux boosters que j'ai jamais ouverts sur la chaîne. On va s'ouvrir aujourd'hui des Lost Kitties. Donc des Lost Kitties, c'est quoi? C'est des petits boosters avec des petits chats à l'intérieur que j'ai trouvé à Action, je sais plus combien, je connais pas du tout. Donc je suis passé devant, ça m'a intrigué, je les ai pris mais je connais pas du tout. Donc ça se présente comme ça, on dirait une petite brique de lait. Donc c'est écrit en anglais, c'est Lost des petits chats perdus. Donc 6 petits chats à collectionner, on va ouvrir 6 boosters aujourd'hui. Déjà c'est écrit 2019, du coup c'est des boosters qui ont 2 ans. Donc peut-être que ça a cartonné, ça a fait le buzz, je sais pas, il y a 2 ans, mais je suis passé à côté. En tout cas si vous avez connu ça il y a 2 ans, bah, mettez-le en commentaire que vous connaissez déjà. Et donc quand on se concentre un peu plus sur le booster, c'est écrit qu'il y a 36 petits chats à collectionner. Et dedans apparemment il y a donc, une figurine, 2 accessoires, un shaping combo, je sais pas ce que ça veut dire, un stickers et collector sheet, c'est la feuille collector guide. Bon, du coup je vais pas perdre plus de temps en intro pour expliquer ce que c'est parce que je sais pas quoi dire de plus. Donc c'est parti pour le premier booster des Lost Kitties. On va voir comment ça se présente à l'intérieur déjà. Hop. Alors, ok, chelou. Oh. Ah, on a le petit collector guide, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est une petite image qui montre tous les différents chats qu'on peut avoir, enfin, une partie j'imagine, un petit dessin. Et derrière, hop, si vous voulez mettre pause, le petit collector guide. Du coup je découvre ça avec vous. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 familles de chats, ils ont tous un petit prénom. Donc 36 chats à collectionner, trop mignon. Par contre, je viens de voir le truc que j'ai sorti, et en fait c'est trop chelou, regardez. On dirait un yaourt. Et dedans on dirait de la pâte à sel. Donc je sais pas s'il faut creuser ou quoi. Donc délire. Donc j'ouvre direct, je regarde ça. Ça sent la pâte à modeler de ouf. Ça sent super bon. C'est bizarre. Hop. Ouais. Donc hop. Du coup je suis plein de pâte à modeler. Et dans la pâte à modeler, il y a la petite figurine. Le petit stickers. Quelque chose dedans. Oui. Des petits accessoires. Pourquoi dans la pâte à modeler comme ça? C'est bizarre un peu quand même. Et hop, la pâte à modeler. Il y avait le logo du logo Lost Kitties sur la pâte à modeler. Du coup, déjà on va commencer par les 2 petits accessoires. Ils sont plein de pâte à modeler. Hop. Je nettoie un peu. Bon, ils sont un peu crades, mais bon, on s'en fiche. Donc une petite radio et une coupe. Genre une coupe de chanton quoi, et une petite autoradio. On a un petit sticker du coup dans du plastique. Hop. Enfin, je vais pas l'ouvrir mais c'est un petit chat comme ça devant sa télé. Voilà, donc le petit chat devant sa télé comme ça. Et enfin du coup ce qui nous intéresse le plus c'est le petit chat perdu. Et nous avons... Ah bah c'est le chat qu'on a eu en stickers en fait. Alors je sais pas si ce sera à chaque fois qu'on aura le chat qu'on a en stickers. Mais du coup on a le petit chat, le même que sur le sticker, donc le petit chat avec ses grosses lunettes, le chat jaune. Donc je vous le montre de plus près, il est comme ça, il est tout mignon. On va regarder sur le collector guide ce qu'il vaut. Il s'appelle Sparkle Time et il vaut une goutte blanche. Une goutte blanche ça veut dire... Est-ce que c'est écrit ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des gouttes de différentes couleurs mais il n'y a pas écrit de légende. Il y a goutte blanche, goutte marron, goutte rose. C'est pas marron en fait, c'est or. Blanc, or et rose. Bon, je pense que blanc c'est commun. Rose un peu plus rare, peut-être, et or ultra rare. Je sais pas du tout. Bon, en tout cas, il est blanc, je pense qu'il est commun. Et du coup, en fait, je viens de comprendre, c'est bien des petites briquettes de lait pour chat. Et en fait, quand on ouvre, c'est un petit pot de lait. Et la pâte à modeler, en fait, c'est du lait. Et le chat est caché dans le lait, comme sur l'image qu'on a ici. Vous voyez, le chat en bas, il est dans du lait. Bon, bah, c'est original. Ça fera de la pâte à modeler en plus pour mon neveu. Donc, c'est parti pour le booster numéro 2. Hop. Je sais pas regarder du coup le stickers. Si ça spoil la figurine. Hop. On ouvre le yaourt. La pâte à modeler avec le petit logo. Un petit logo dessus. Là. Donc c'est parti, on ouvre. Hop. 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 On prend directement le petit chat. On regardera le reste après. Je ne m'attendais pas du tout à ça, ça en fout partout en plus. Donc le deuxième petit chat. Ah, quel sens il est? Merde. Ah, il est... Ok, j'avais pas compris. Il est,
Il est en train de faire le poirier. Je me demandais comment il était. Un petit chat bleu comme ça qui fait le poirier. Hop. Original, c'est tout mignon. Celui-là, est-ce qu'il est un peu plus rare ou pas? Celui-là, il est blanc aussi. C'est un chat athlétique, il s'appelle Boops. Et du coup, est-ce que le stickers, c'était le même personnage? Et oui, du coup, ça spoile bien le personnage. Voilà, on l'a cherché au fond. C'est bon, j'ai galéré, mais du coup, le petit stickers. Et du coup, pour les deux accessoires, c'est pareil, une petite coupe, comme tout à l'heure, mais en violet cette fois-ci. Tout à l'heure, elle était verte. Et c'est quoi ça? Voilà. C'est un petit arbre à chat. Je sais pas si vous allez bien voir, j'en ai plein les doigts. Voilà, c'est un petit arbre à chat comme ça. Bon, ben, il en reste 4 à ouvrir, du coup, je vais me dépêcher un peu. Parce que c'est un peu long à ouvrir. Donc, troisième petit chat, c'est le même logo sur la pâte à modeler. On enlève le lait. Et du coup. Alors les accessoires, c'est un petit cadeau violet et un bilboquet. Je vous le montre pas forcément de plus près, c'est pas le plus intéressant les accessoires, c'est les chats les plus intéressants. Et du coup, alors, troisième petit chat, c'est cool qu'on n'ait pas de double. Non, c'est un petit chat vert, trop mignon, avec des grands yeux, avec une, enfin, tirer la pierre de l'esprit sur la tête, c'est un chat vision. Si vous avez vu la série WandaVision, ou si vous connaissez Vision du coup des Avengers. Le petit chat avec la petite pierre jaune sur la tête, le petit point jaune. Vous avez vraiment la petite pierre de l'esprit. Celui-ci s'appelle... C'est aussi un chat de sport, Wills, et commun. Pour l'instant, on n'a que des communs. On est à la moitié de la vidéo, plus 3 boosters à ouvrir, 3 boosters déjà ouverts. Hop, c'est parti, je fais un peu plus vite pour les autres. Alors, les objets c'est quoi? Le même petit arbre à chat que tout à l'heure, le bleu. Et le petit chat. C'est un nouveau. C'est un petit chat chauve-souris. Trop mignon. Un petit chat d'Halloween. Donc voilà le petit chat violet. Petit chat en chauve-souris comme ça. Trop mignon. Et du coup celui-là, c'est... Et c'est pareil, c'est un commun. Et il s'appelle Bougir. Et du coup comme c'est un petit chat d'Halloween, il y a une petite citrouille avec, une petite citrouille verte. Avant-dernier, petit chat perdu, hop, dans son lait. On pose ça. J'aimerais bien avoir au moins un rare sur les 6. Ah, la couleur de la pâte à modeler est différente. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça veut dire que c'est, ça serait une goutte or, plus rare? On va voir ça. Alors. Super bon. Donc nouveau petit chat, couleur différente, de pâte à modeler. Non, ça va ouvert. Oula, il est gros. Alors, qu'est-ce qui, comment il est? Il y a un bizarre comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, trop mignon. C'est un petit chat qui dort dans un bol. Regardez-moi comme c'est mignon. Un petit chat grincheux qui dort dans un bol, dans un aquarium, je sais pas. Peut-être qu'il a voulu bouffer un poisson. Un petit chat, et celui-là doit être plus rare du coup. Effectivement, il s'appelle Olga et il est couleur or. Donc c'est cool, on a eu un plus rare. Pour ce qui est des accessoires, tout ça, est-ce que c'est pareil que les autres? On a une petite théière violette. Un petit cupcake, non, un saut de popcorn bleu. Vous que ce fera pas, je pense. Mais... Ah, je vous ai pas montré les stickers tout à l'heure, mais bon, c'est pas très très grave. Donc, du coup, c'est la même chose que la figurine. Rien de spécial, le petit chat dans son aquarium. Bon bah c'est cool, pour l'instant 5 boosters, pas de double, et en plus on en a eu un plus rare. Est-ce qu'on va terminer en beauté avec ce dernier booster? Et oui, on a la troisième couleur, rose, génial. On en a eu un de chaque, on termine en beauté. J'ai même pas fait exprès d'avoir de laisser tous les blancs d'abord et ensuite le doré et le rose. La main chanceuse, du coup ça ressemble à ça. Et du coup dedans, hop. Le petit chat sera plus rare que les autres. Alors, pâte à modeler. Alors, les accessoires, c'est quoi? Le saut de popcorn, le même. Et. Waouh! C'est quoi ça? Ok, juste une petite tablette. Genre une tablette tactile. Et ce qui m'intéresse, c'est ce petit chat qui a l'air bien gros. Plus gros que les autres, le sachet. Waouh! Génial! C'est le petit chat Dumbledore.
Regardez-moi ça. Du coup, j'avais pas dit au début lesquels pourraient m'intéresser, parce que je vais pas vraiment pencher sur les 36, mais j'avais repéré celui-là, justement, le petit chat en magicien, en sorcier. Super classe, trop mignon. Et il s'appelle comment? Du coup, il est rare rose, il s'appelle Maulin. Comme Maulin, comme Merlin. Je suis en train de me rendre compte que je fais une ouverture de chat sans mon chat, alors c'est lui qui me porte bonheur d'habitude. Donc je vais chercher tout de suite. C'est bon, il est avec moi. J'avais dit qu'il apparaîtrait dans chaque vidéo d'ouverture. Bon, je sais pas, je pense qu'il s'en fout un petit peu. Là, je pense qu'il est jaloux parce que j'ai ouvert 6 autres chats. T'inquiète pas. Et puis en plus, on a eu beaucoup de chance alors que t'étais pas là. Donc je sais pas si c'était un vrai porte-bonheur. Bon, bah l'ouverture est terminée. Ça a bien foutu le bordel devant moi. Je vais vous montrer. Hop. Bien le bordel, plein de pâtes à modeler. Je suis content parce qu'on a eu 6 ouvertures et 6 chats différents. Et en plus de ça, on a eu, il y avait les 3 couleurs différentes, donc blanc, or ou rose. Et on a eu les 3 pâtes à modeler, blanc, or ou rose. Je trouve le concept original. C'est un petit peu chiant avec la pâte à modeler dans le fond partout, mais c'est rigolo. Moi, ça change des boosters traditionnels. Maintenant, il faut que je nettoie tous leurs accessoires parce qu'ils sont plein de pâtes à modeler. Et je verrai après ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette ouverture. Donc si vous connaissez les Lost Kitties, les petits chats perdus. Dites-moi surtout quel chat vous avez préféré de cette ouverture. Moi, clairement, c'est le petit chat magicien, le petit chat sorcier. Si l'ouverture vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et si les vidéos en général vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.